Sisteron, en occitan provençal Sisteroun, norme mistralienne, Sisteron, norme classique, est une commune française située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Capitale des Sogiontiques. Sogiontilly est l'antique Sogustère au est, à partir de l'époque romaine et de la construction du pont sur la Durance, un point de passage stratégique. Un pont pouvait d'ailleurs exister dès l'époque gauloise à cet endroit, où la voie herculéenne rejoint le territoire d'Évoconc. Ce pont majeur pour toute la région lui vaut un rayonnement millénaire. Ce rôle conduit à des fortifications très anciennes, un évêché local, dès le 6e siècle. Du point de vue administratif, la communauté se voit attribuer une charte consulaire au 12e siècle, transformée plus tard en viguerie district après la Révolution. Elle fut souvent une frontière. Preuve encore, les frères pontifes d'Hospitaliers demandent et obtiennent leur rattachement aux Templiers. Avec la multiplication très récente des franchissements de la Durance, elle perd de son importance. Petit exemple, elle ne retrouve jamais son évêché après la Révolution. C'est actuellement une petite ville industrielle et touristique, usine pétrochimique et industrie gravitant autour des abattoirs. Sisteron se situe à 485 mètres d'altitude, sur les rives de la Durance, à 45 km de Fort-Calquier, à 133 km de Marseille, à 145 km de Grenoble et à 180 km de Nice. La ville occupe une position privilégiée, proche du confluent du Buëche et de la Durance, à l'endroit où cette dernière franchit la cluse de la Baume, sur un site facile à fortifier. Le site de Sisteron est un site pont, le seul où un pont subsista de façon durable sur la Durance, de l'Antiquité au 19e siècle. Surnommée la Porte de la Provence, elle confine au Dauphiné. Elle possède de nombreux monuments dont sa citadelle, face au rocher de la Baume, dont les strates sont presque verticales, une cathédrale du 12e siècle, Notre-Dame-des-Pommiers, Saint-Tours, plusieurs chapelles et les vestiges de l'ancien couvent. C'est une ville qui accueille de nombreux touristes attirés par son climat méditerranéen, avec une moyenne annuelle de 300 jours de soleil, son patrimoine riche et varié, son plan d'eau ou son aérodrome. Les communes voisines de Sisteron sont Le Poët et Ribiers, communes situées dans le département voisin des Hautes-Alpes, Valerne, Entrepierre, Pépin, Valbel, Bevon et Mison. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths, Théodoric le Grand, fait la conquête de la région, entre la Durance, le Rhône et l'Isère, en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Gondemar III, la régente Ostrogothe, Amalazonte lui rend ce territoire. Élément culturel très important, une charte communale consulaire, fut attribuée à la communauté à une date antérieure au 13e siècle. Elle est confirmée par les comptes en 1212. Celle-ci préserve de domination seigneuriale, comporte des allègements fiscaux, établit un lien direct avec le comte en échange de fidélité et de missions particulières. C'est à Sisteron, au couvent des Cordeliers, que Raymond Béranger V, comte de Provence, signe au XIIe siècle le testament par lequel il attribue le comté de Provence à l'une de ses quatre filles, Béatrice, future femme de Charles d'Anjou, frère de Saint-Louis. De là datent les droits des rois de France sur la Provence. Au Moyen Âge, la ville est une place forte des comtes de Fort-Calquier au XIe siècle, puis propriété des comtes de Provence, elle est pour ces derniers la frontière du Nord. Elle reste cependant un lieu de passage important sur la Durance. C'est ainsi à Sisteron que l'on signale les premiers hommes, en France, en 1425. La ville est le siège d'une baillie, dès le XIVe siècle, érigée en viguerie précocement en 1480. Légué en 1483 à Louis XI, la Provence rejoint le Royaume de France. Plan général de la citadelle et de la ville de Sisteron en 1693. De 1562 à 1594, les guerres de religion voient les protestants et les catholiques se disputer la ville et sa forteresse, qui contrôle le seul pont sur la Durance. En février 1562, la moitié des protestants de Fort-Calquier se réfugient à Sisteron. Après les premiers incidents, qui voit les protestants saccager la cathédrale, briser son clocher et ses orgues, ainsi que les couvents des Cordeliers et des Dominicains, la ville est assiégée par les catholiques de Sommerive, lieutenant général du roi, en juin 1562. Elle est défendue par son père le comte de Tende, Paulon de Mauvent, Furmayé et 5000 hommes. Les chefs protestants s'enfuient de nuit, et la ville est prise le 6 septembre. La garnison est massacrée, et les protestants expulsés. Ils se réfugient à Lyon. Après l'édit de pacification d'Amboise,
mars 1563, ils sont reconduits sous escorte armée par le comte de Tende, gouverneur de Provence, et Poulon de Mauvan, capitaine protestant. En 1567, la ville est à nouveau assiégée et prise par les protestants. Les catholiques Carcey et Sommerive échouent à la reprendre, mais les protestants leur restituent cependant. De la même façon, au printemps 1585, les Ligueurs tentent un coup de main contre la ville, sans succès. C'est alors que Jehan Sarrazin est chargé de renforcer la place et construit la citadelle actuelle de 1589 à 1612. Et l'épidémie de peste de 1628 à 1630 touche Sisteron, apportée soit par un muletier transportant du chanvre, soit par le régiment de Picardie. La fosse contenant des corps passés à la chaux découverte en 1938 au pont du Gournias doit dater de cette épidémie. Sur l'ordre de Richelieu, le prince Jean-Casimir de Pologne est accusé de complot contre la France et est enfermé en 1639 dans le donjon de la citadelle. C'est le début de la carrière de prison politique de la citadelle. En 1720, pour empêcher l'extension de la peste de Marseille, un cordon sanitaire est établi sur le Jabron. Des barrières gardées par des soldats du régiment de Poitou sont placées sur les ponts du Jabron et du Gournias. Un corps de garde destiné au logement des soldats a été construit à proximité de Notre-Dame du Signavou. La ville est le siège d'une vigueur jusqu'à la Révolution. Alors que des émeutes avaient éclaté en mars 1789 à Sisteron, la nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement, cet événement annonçant la fin de l'arbitraire royal et, peut-être, des changements plus profonds dans l'organisation de la France. Immédiatement après l'arrivée de la nouvelle, un grand phénomène de peur collective s'empare de la France, par peur du complot des aristocrates désirant recouvrer leurs privilèges. Des rumeurs de troupes en armes dévastant tout sur son passage se propagent à grande vitesse, provoquant des prises des armes et l'organisation de milices et des violences antinobilières. Cette grande peur, venant de Tallard, et appartenant au courant de la peur du Mâconnais, atteint Sisteron et sa région le 30 juillet 1789 avant de se propager vers Digne. La ville, dotée d'une garnison, joue un rôle clé dans la solidarité qui s'organise alors. Les communautés villageoises voisines se réfugient avec meubles et bétail dans la place forte, et l'arsenal est mis à contribution pour armer les hommes et former une milice bourgeoise, bientôt renommée garde nationale. Elle fournit aussi des munitions à Manosque, qui lui en fait la demande. Dès le 2 août, l'affolement retombe, les faits divers à l'origine des rumeurs étant éclaircis. Mais un changement important a eu lieu. Les communautés se sont armées, organisées pour se défendre et défendre leurs voisins. Un sentiment de solidarité est né à l'intérieur des communautés et entre communautés voisines, et les consuls décident de maintenir les gardes nationales. Aussitôt la peur retombée, les autorités recommandent toutefois de désarmer les ouvriers et les paysans sans terre pour ne conserver que les propriétaires dans les gardes nationales. L'évêché est supprimé en 1790. La création d'une société patriotique connaît de multiples rebondissements. Des émeutes sont provoquées par les royalistes le 17 mai 1279-1252. Cependant, une part importante de la population soutient la Révolution. Il y avait 137 adhérents à la société révolutionnaire en 179-1353. Un cercle d'opposition, Deus Probitbe, se crée. Environ 40% de la population masculine fréquente la société populaire. De 1790 à 1800, la ville est le siège du district de Sisteron. Comme de nombreuses communes du département, Sisteron se dote des écoles bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède une seule, installée au chef-lieu. Comme la loi Fallou, 1851, elle y oblige, une école de filles est aussi ouverte. La commune profite des subventions de la deuxième loi Duru, 1877, pour construire une école neuve. Sisteron comptait également une salle des asiles, école maternelle. En 1884, la commune est touchée par une épidémie de choléra. Elle cause 18 morts, du 23 août au 5 septembre. La citadelle est déclassée en 1889 et devient propriété de la commune. La citadelle est la ville après le bombardement du 15 août 1944. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la Troisième République recherche des lieux d'internement pour les indésirables. La municipalité de Sisteron propose la citadelle, où sont internés des prisonniers politiques, communistes, anarchistes, que le régime de Vichy maintient enfermés pour la durée de la guerre. Dans les années suivantes, 22 Juifs sont arrêtés à Sisteron avant d'être déportés. Le 15 août 1944, premier jour du débarquement de Provence, les B-26 maraudaient français
et des forteresses volantes américaines du 42e Bombay Wing tentent de couper le pont ferroviaire et les ponts routiers qui enjambent le Buech et la Durance. La météo n'est pas très favorable. Les accès sont atteints, mais les ponts ne sont pas détruits. Le wing de l'USAF, forcé à une manœuvre d'évitement après son premier passage, se libère des bombes non larguées et plusieurs tombent sur la ville. Le 17 août, une formation de B-26 français revient sur les lieux et réussit cette fois à endommager le pont routier et surtout à détruire le pont ferroviaire au nord de la ville. Le résultat de ces bombardements alliés, une grande partie de la ville fut détruite et la citadelle gravement endommagée, 100 morts, 30 disparus et 200 blessés. La ville est libérée deux jours plus tard par la TASC, force du général Butler, 36e division d'infanterie US, venant de rien. Le lendemain, la colonne américaine se dirige sur Gap et Aspre-sur-Buech, libérée le 20. La commune a été décorée, le 11 novembre 1948, de la Croix de guerre 1939 à 1945. En 1962, un hameau de forestage est construit pour héberger les réfugiés harkis qui sont employés par l'administration des eaux et forêts. Mes sources. Wikipédia.